Peace, peace, big up, c'est comment? Je me calme comment? Hein? C'est comme ça que vous êtes. Hein? Tu vois, toi au moins tu as réussi à capter le mbangzizi de l'autre, d'avoir le mbangzizi de l'autre, des patates du même sillon. Non, c'est tout juste pour dire à du Kambindo qui ne dit rien du tout. Hein? Son direct là, tout ce que j'ai compris, voilà. Hein? J'ai soigné sa dépression, vous savez, du Kambido. Traverse une petite dépression, hein, facebookale, là. Hein? Moi, quand je framponne, j'ai framponné. Mais Jean, ça, c'est de Komamougou. Ouais. Celui de du Kambido dit que oui, hein, dangereux Black. Je t'avais demandé de monter dans le direct, les framponner avec les femmes là. Il va dire quoi? Il peut dire quoi? Hein? Vous ne voyez pas que c'est déjà assez ridicule pour lui déjà, voilà son comportement là. Je suis marié, je suis marié, je suis marié. Hein? Vous croyez que mes deux sorties d'hier là, hein? Si vous n'avez pas ça, c'est pas de ma faute, hein? Alors que vous vivez ici. Hein? Moi, je passe le temps à dire que oui, je suis quitté de mon pays. Tête vide. Ce n'est pas parce que je ne savais pas écrire mon nom. Non. Je ne maîtrisais pas certaines réalités de la vie. Ça fait 17 ans que je travaille avec les Européens. Ok? Voilà. Ils m'en ont mis là-dedans. Ok? Voilà. C'est vous qui paierez là sur la toile. Vous, les femmes. C'est vous qui paierez là sur la, sur les, voilà, sur la toile. Ok? Peace, peace. Hein? Peace, peace. Tu peux venir témoigner ici. Comme Victoria avait témoigné, qui est réellement de Komamougou. Ah ouais? Hein? Et quand vous avez affaire aux gens comme ça, hein? Non seulement des cœurs de poulet qui marchent partout dans les e-box, qui avait ramené ce dangereux bug à l'église? C'est pas moi. C'est pas moi. Et quand il est arrivé à l'église au bout d'une semaine, hein? Qu'est-ce qui s'était passé? Hein? L'ancien perroquet qui discutait avec mon entourage tous les jours, ok, tous les jours, j'ai dit tous les jours, même ma mère, ma propre mère, hein, il s'est mis avec l'ancien perroquet, non, hein, vous me voyez souvent là partout, ça va plus avec, non, ils se sont croisés là-bas là, eux-mêmes ils savent, voilà, des vérités entre eux là-bas là, ok, voilà, je suis le pasteur supérieur, ok, je ne me mélange pas avec mon culte. Ok, je ne vais pas avec mes fidèles chez eux. Je sais qu'il y a mes fidèles qui sont en couple. Ok, mais quels sont ces membres? Hein? Ces catéchistes-là, hein? Même, voilà, ils n'ont rien fait pour porter, hein, le nom pasteur. Ils n'ont pas bossé dur comme moi. Hein? On les étale ça là. Hein? Ils commencent à se comporter comme des loups. Vous-même, vous, mes fidèles là. Hein? De comment Mouré est venu dans vos e-box, hein? Dit que oui, Mayango, hein? Avec tous les messages que je reçois dans mes e-box, là, hein? Je suis venu vous dire que oui, ceci, cela, hein? Mais regardez des hommes, hein? Il faut voir, je vous dis, les caractéristiques des dangereux Black, ok? Voilà. C'est comme les psychopathes, là. Regardez, hein? C'est direct. Les petits sons, hein, pour endormir les femmes. Ça veut dire, ils ne parlent pas trop. Ça dit, les cris, voilà, les petits sons, hein, ils ne parlent pas trop, hein. Et vous, les femmes, là, vous êtes là, non, il est mignon. Comment vous avez su qu'il est mignon? Il est mignon avec quoi? Vous avez vu Dangereux Black? Hein? Moi, je vous ai dit, allez regarder sa vidéo, là, parce que son chantier, là, il appelle ça la bête. Ok, allez regarder, comme il ne veut pas nous manquer le visage, allez regarder ses pieds. Allez regarder si ses chaussures s'usent comme les autres, les pieds des êtres humains. Hein? Allez regarder, Dangereux Black marche sur les côtés comme ça, à nos wars. Hein? Même le gorille, même, la plante, lui, ça touche au sol. Hein? Et vous dites là, parce que ça envoie les étoiles, hein? Pour se nettoyer. Pour qu'on dise que oui, hommes-loi, n'importe qui va venir porter le nom des hommes-loi dans le mensonge. Du Kambindo, nous ne sommes pas pareils.
aucune personne, quelqu'un ne peut pas venir mettre 20 000 étoiles, ok, dans ton direct et tu frappes la personne. Je suis le seul, c'est là où je te dépasse. Ok, c'est là où je te dépasse. Ok, l'erreur, c'est-à-dire l'ancien perroquet pouvait tout dire. Ok, voilà, pas de dire que Dangereux Blague me tienne par les étoiles. Vous ne connaissez pas de Kamamougou. Nous sommes là sur la toile de Demia Yembenchi. Ok, je dis là où vous êtes au début. Regardez, vous avez encore des enfants à bas âge. Vous avez encore des enfants à bas âge. Ok, vous avez encore un long chemin à faire. De Kamamougou est en train de jouer son va-tout. Ok, nous ne sommes pas même chose. Hein? Au jour d'aujourd'hui, je peux me la couler douce dans tout le monde entier. Mes enfants sont autonomes. Quand je dis autonomes, sont déjà ont pris la majorité. Est-ce que vous comprenez? Il y en a trois du Cambindo. Trois pensions alimentaires. C'est pour ça que tu ne peux pas faire comme moi. La machine partout, big up, big up. Tu ne peux pas framponner une personne qui vient déposer 20 000 étoiles. Même si c'est un meurtrier. Tu ne vas pas. Hein? La pension alimentaire prend d'abord tout ton salaire. Tout ton salaire. Parce que tu es au SMIC. Tu demandes aux femmes d'aller passer leur permis. Tu n'as pas honte, frère. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Hein? Tu ignores que sur ma page. Hein? Quand de Kamamougou, je suis avec. Va te former. Passe ton permis. Toi, tu ne le fais pas, mais tu peux demander à Lolo de passer le permis. Yeah! Tu demandes à Dangereux Blague. Donc, Dangereux Blague venait souvent te dire des choses, de la bulle. Hein? Parce que quand tu dis à Dangereux Blague, je t'avais demandé de monter et framponner les civils terniers et consorts. Hein? Il t'avait dit que non. Il gardait ça au frais. Il va donc alors sortir. Il va donc sortir. OK? Et puis, est-ce que vous comprenez un peu? Du Cambino, nous ne sommes pas même chose. Bonjour, pasteur. Et dit, ok, plaire d'abord ton sort. Tu vas profiter de quoi ici en Bengue? Hein? Tu n'es ni formé, pas de permis. Tu es limité en tout. Tu as fait des enfants du Cambino. Tu n'as même pas le bois. Je les vois. Tu fais la tête. Ça, c'est pas mon. La mère de mon enfant, toi du Cambino, tu es parti. Hein? La mère de mon enfant, soit disant que oui, tu veux régler le problème, il faut que de Kamamougou commence à s'occuper de son enfant. Qu'est-ce que tu es parti faire? Bande de petits moribonds, vous voilà, vous êtes des patates du même sillon. En termes de femmes, vous ne pouvez pas avec de Kamamougou. Je vous dis, de Kamamougou, on l'aime comme ça. On l'aime comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ne pouvez même pas vous imaginer. De Kamamougou, même ton Dangereux Blague là, ok? C'est lui qui venait souvent me faire le Congo ça, c'est comme de Kamamougou. Hein? Tu ne vois pas que tel ait envie d'être avec toi. Ah non, mais le comportement des psychopathes, lui, il voit toujours les coupes. Un civil tenier, je te vois, par exemple, avec tel, hein? Un tel, je te vois, entendez, vous-même regardez, des femmes mariées, tu dis ça aux femmes mariées. Hein? Je te vois avec tel, sur Facebook, je te vois avec tel. Hein? Vous partez là, je vous donne des noms. Hein, vous voulez jouer la belle lui. Qui vous connaissez? Même toutes ces stars-là sur la toile, Abanaba Lolo Foudia, Abanaba Ceci, ça prononce vos noms. C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Je dis, Dangereux Blague, on te connaissait où? Hein? Tu quand même, on connaissait Dangereux Blague. Tu sais là où je suis parti prendre Dangereux Blague et ramener dans le fourgon, j'ai bien la sang. Hein? Cette fois-là, hein, il d'accordisait les framponnements. Hein? Aussitôt il a chié avec l'histoire de SJSJ, hein? Il n'est plus d'accord avec les framponnements. Ouais, il faut prendre les gens à l'envers, hein? Pour qu'on dise quoi, la toile dise que non, lui il ne peut pas faire les pareils clics. Il ne peut pas faire les pareils clics. J'avais sauvé mon église, frère. Ok, je continue à dire, je suis le pasteur supérieur. Quand je ferme mes portes, hein, les portes de mon enceinte, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas avec les fidèles. Il y a des fidèles qui sont casés. Je vais aller foutre quoi dans les maisons. Mais Dangereux Blague. Hein? Dangereux Blague. Le gars est arrivé. Hein, nous, maman? Hein? Je ramène Dangereux Blague.
Le gars, il s'est mis avec la femme anormale, le dieu de Facebook de ça. Moi, j'étais content, non? Hein? Quand on félicite les membres de l'église, ouais, j'étais content. Mais alors, ce qui s'est passé dans les e-box, hein? Les poils de Tatiana Mimbang, on a vu. Les poils de la panthère du zoo, on a vu. On a même, j'ai dit qu'hein, qu'est-ce que je n'ai pas eu ici à la surface? J'étais souvent là avec vous. Hein? Hein? Vous les membres de mon église là. Vous connaissez qui? Dangereux Black, tu sais qui? Je caresse. Ok? Jenny Junior, tu sais? Là, à Paris. Comme on dit que oui, ma gazette a dit, allez, laisse. Ok? Laisse ça. Ok? C'était justement ce jeudi. Hein? De comment on est, mon cœur saigne. Mon cœur va lâcher. Allô, mon cœur va lâcher. Hein? On te dit que je meurs des achats, que oui. Je vais traverser, oui, pour venir là-bas, là. Hein? C'est des voleurs de poules. Hein? Parce que toi-même, tu avais un voleur de poules. Hein? Alors, je vais me marier de com. Dès que je me marie, je viens en France. Je viens en France. On va boire des Guinness. La réflexion des bêtes, boire des Guinness. Hein? Et je vois Jenny Junior dans les directs. Hein? Dans les directs. Hein? Le gars. Hein? Je vois Jenny Junior dans les directs. Elle aussi, elle m'a fait les commentaires que je suis en pause. Hein, je suis en pause. Et après, bah, ma pause est terminée. Je pars. Voilà. Vous allez me comment même? Hein, il y a la sorcellerie dans vos têtes. Hein, vous ne pouvez pas agresser à vos niveaux. Hein, c'est vous qui voulez réussir dans la vie, mais vous mentez comme des serpents. Hein, même ici, en France, quand tu viens de te marier, hein, que tu n'as pas de taolo. Ce n'est pas aussi tôt que tu commences à être actif. Hein? À peine, je vais me marier avec mon voleur de poule là. Hein? Il faut que j'arrange la situation de mon mongo. J'ai dit au moins bonne réflexion. Hein? Et je vois me publier les avions, les ailes d'avion que lui. Hein? À nous, Wama. Hein? La mague des magues. Partagez le direct là, mes gens. Hein? Regardez-vous. Ayez pitié de vous-même. Hein? Ça, c'est des histoires faites en cachette. Dans une blague, je les ignore. Ah oui, vous nous démontrez que oui, hein, une psychopathe. Ok, Jenny Junior, on est là, hein, et Madame Baricoc, hein, qui tourne, même parfois on voit au bon. Hein, tu viens me ridiculiser. Hein, qui t'avait déviergé? Qui t'avait déviergé? Qui t'avait déviergé? Hein, tu ignores ça? Que c'est lui qui s'occupe du courant, c'est moi, la personne qui t'avait déviergé? Hein? Tu ignores ça? Hein? Tu viens là couillant dans mon église. Celui de Dicambi nous dit que oui. Hein? Tu me soutenais, tu me soutenais. Et pourquoi le soutien s'est arrêté? Le soutien s'est arrêté pourquoi? Hein? Parce qu'on t'avait dit, oh, laisse l'homme là. Va chercher ailleurs. Ok? Hein? Vous êtes là, vous voyez des hommes qui sont dans vos e-box. Hein? Vous n'allez pas marier. Vous acceptez des psychopathes comme ça, là. Hein? Et ce sont ceux qui sont dans les e-box, hein? Des conseillers. Hein? Des conseillers, des questionnements. À nous, vraiment. J'ai dit, écoutez, dangereux, Black, tu vas disparaître sur la toile. On est psychopathe, tu es dangereux. Nous sommes ici, nous souffrons beaucoup. Beaucoup de femmes souffrent. Hein? Elles n'ont plus besoin de la qualité, là. La qualité d'homme, là. Hein? Tu crois que tu vas nous graisser les yeux, hein, en nous montrant les images? Il faut voir ton nu. C'est un piège. Ton nu, c'est un piège. Il faut voir les femmes. Tellement les femmes sont vulnérables. Les femmes, ce n'est pas une insulte. Hein. Moi-même, je suis vulnérable quelque part. Hein? Quand ça vient là, hein, Noma, hein, l'église. T'as dit, je ne t'ai pas encore dit que oui. Hein? 70% hein, qui vont à l'église, ce sont des méchants. Hein? Parce qu'on a dit que oui, le pardon, quand tu demandes pardon, le Seigneur va te pardonner. Hein? À chaque fois que vous péchez, vous partez à l'église. Hein? Tu viens là, hein? À nous, voir ma maison, là où ça m'avait fait, là où, hein, j'ai compris que le type-ci, il n'est pas venu ici en catholique. Hein? Dans un direct, il dit que bon, voilà, dorénavant, il est pasteur. Mais Jean le direct n'était même pas encore fini. Hein? Il a changé le profil, il a mis pasteur dans le bureau de manga canadien. Le gars, si, tu dis que tu es intelligent. Hein? Tu es intelligent. Tu ne réfléchis même pas.
Tu te poses même, tu ne prends même pas une minute de silence. Bon, attends, est-ce que les gens vont aimer hein, le boss là? Est-ce que le gars a pris ça là? Hein, et je comprends pourquoi on me disait que oui, l'ancien perroquet m'avait dit que oui, il est venu me faire le coup d'état. Non, l'ancien perroquet, je suis obligé de dire ça. Tu m'avais dit ça, que Dangereux Black est venu pour prendre ma place. Ouais. Mais comme toi-même, tu ne voulais pas me dire les profondeurs du pic, et que tu es venu dire que oui, il m'a manipulé avec les étoiles. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça. Hein? Pourquoi que je suis là, beau. Hein? Pourquoi qu'on peut venir me faire comme du Camino, les étoiles, hein? Pour marcher comme ça veut. Hein? Je te prends, ça met connexion, hein? La connexion dérange. Je te prends. Arrêtez ça. Hein? Je dis, Dangereux Black, c'est un psychopathe. Oha. Vous qui prenez mon direct d'hier, hein, pour montrer au peuple de Facebook, c'est Dangereux Black que vous êtes en train de finir. Vous ne l'aimez pas. Du Cambindo, tu ne l'aimes pas. Normalement, du Cambindo, en pareil direct, il ne faut pas montrer aux gens. Hein, tu es en train de salir Dangereux. Ah oui. Tu dis que oui, je suis ami avec Dangereux. Tu connais Dangereux Black. Tu le connais où? Tu le connais où? Tu sais pourquoi ces photos-là de profil sont toujours des photos, voilà, trafiquées. Regardez. Hein? Tu sais pourquoi? Hein? Tu connais sa façon de faire ces photos-là. Hein? Tu ne vois pas que c'est une façon de tromper les gens. Hein? Héritage. A Yananui, là, Yann. Je dis ça au haut. Tu comprends? Eritex à Yanani Ilan. Il y avait aussi l'animateur français, la Tex, ouais, qu'on avait gradué de la chaîne. Parce qu'il s'était comporté bêtement, comme toi, si comme ça, là. En posant la question hein, aux Français, en pleine émission, que lui, quand vous voyez une femme avec un coca ici, là, hein, ça vous vient dire quoi hein? Elle a dit que quand elle bavarde beaucoup, allez, on tape. Le gars a été tamponné directement. Hein? Mais menu, il a un texte. N'importe quoi. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? La connexion dérange. Bonjour, pasteur. À joie. Oui, bonjour, Matt. Bonjour, Matt. Oui, ça va bien. Bonjour à tous. Bonjour, Sylvie Tenier. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour, général. Bonjour, général. C'est le sac. Hello, chat. Aujourd'hui, c'est bon à moi. Et Daddy, mon cœur, Daddy, je t'aime, tu es mon papa à ta vie. Je parce que pour framponner ton chat là, frampons le chat là, frampons le chat là, frampons le chat qui est là. Tu sais, c'est ça. Je suis désolée, je vais respecter d'abord ici Sylvie Tenier qui est dans le direct parce que je sais que c'est ta famille, mais moi je m'en fous. Hein. Moi je suis le général de l'Olomaya, paraît que je suis le chat de l'église. Ça c'est un profit construit juste pour l'église. Donc même si ça touche Sylvie Tenier, je vais te framponner avec ses profits. Mais aujourd'hui c'est, elle s'appelle Jenny Junior qui bouffe l'Onjangi. Je suis intéressant dans ce sujet. Parce que d'ailleurs, premièrement, le pasteur vient de dire que Jenny n'est pas belle. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que ce n'est pas une belle femme. Elle dérange. Elle vit dans le Maghreb. Tu vis dans le Maghreb, tu viens comparer avec le gens qui vit en Bengue comme nous. Que je vais me marier. Moi, je te capture depuis avec ton enfant, le père de ton enfant, l'oncle en Greg là. Mais j'ai refusé juste de publier depuis quand tu nous insultais pour te prouver que je suis une femme. Tu nous as lavé copieusement, moi et la panthère, ma copine sur Facebook ici, avec ma petite sœur Loretta. Mais aujourd'hui, tu bouffes le même djangui dans cette même église. Et moi, je vais taper le tam-tam sur ton nom. Tu n'es pas honte. Ce n'est plus ton frère. Moi, j'ai dit, un des grands, c'est mon grand frère. Un des grands, c'est mon grand frère. Vous pouvez tout faire. Mais n'est pas dérangé, détruire l'église des copes. Je vais te laver aujourd'hui demain. Demain, tu seras sur mon profil, Jenny, je vais te caricaturer. Oh, t'as compris? Tu vas toucher là où il ne faut pas. Tu vas détruire qui? Décom? C'est toi qui vas le détruire. Aujourd'hui, toi, tu es partout là où on l'insulte. Avant-hier, j'ai écrit à Sylvie Tenier, j'ai dit, venez, Inbo, je vais vous parler. J'ai écrit aussi à Inès Tessa.
Vous vous cachez quoi? Ce que je connais depuis qu'elle est en train de dénigrer des camps partout. Elle est aujourd'hui avec Dukambino. Dukambino, qui est le pire, qui déteste des camps. C'est des camps qui fabriquent Dukambino, le sale monsieur qui est court, 1m20 là. C'est des camps qui le fabriquent parce qu'il n'avait plus rien. On voit aujourd'hui, même tonton Bachot revient et commente déjà dans le direct des pasteurs. Le pasteur, c'est le meilleur. Jenny, j'ai pitié de toi parce que tu n'as rien. Tu as couvert tout ton corps avec le tatouage. Tout ton corps. Le tatouage, c'est ça. Une femme digne comme toi qui est belle, qui a fait l'enfant, tu n'as pas le droit de couvrir ton corps. Le verge, c'est un truc nature. C'est normal pour une femme qui a accouché. Toi, tu n'as rien, tu vis dans les magasins, tu viens parler aux gens. On t'a dit que la Grèce est en Europe, mais il n'y a rien là-bas. Je passe mes vacances là-bas parce que j'ai envie d'aller donner un petit trou pour manger. Toi, tu vis où même? On ne connaît pas ton existence. Tu t'exhibes sur Facebook. C'est des coms qui te fabriquent. C'est nous, les vrais gens de l'église. Jusqu'à aujourd'hui, j'assume des coms. J'assume des coms jusqu'à la fin de Facebook, comme j'assume Tata Lolo. C'est vous, ses frères. Tu viens le détruire. Tu sais pourquoi je vais t'insulter aujourd'hui, demain, après demain, Jenny? Parce que Dekom parle la même langue que toi. Moi, étranger, je vais m'asseoir sur toi. Je vais te dénigrer partout là où je vais te voir. Je vais caricaturer ton corps. Ton corps que tu t'exhibes. Hein, je chive. La seule fille qui est sortie chez lui ne sait même pas parler le français. J'ai dit à Dekom, mais il fait. Et voilà. Il va me respecter. Comme un coup de poing si, hein, avec le fil que tout ça là, hein, il faut arrêter ça. Jenny, tu vas bouffer. Et celui de Dukamek, je vais te caricaturer. Général, oui, mon bébé. Je suis monté pour dire à Pastor que de donner le ok à Dukamer de nous framponner. Dukamer, si tu es un homme, framponne-nous. Je dis framponne. Voilà. Touche-nous. Voilà. Touche-nous. Dukamer, si tu es un homme, framponne-nous. Tu as mis ta bouche dans une histoire qui ne te concerne pas. Tu as vu, nous, on ne parle pas. Parce que c'est une histoire qui concerne Pasto et ses enfants. Ça concerne Pasto et ses enfants, tu mets ta gueule dedans, ta gueule puante. Tu mets ta gueule puante dans cette affaire. Laisse Pasto avec ses enfants. Nous, on ne parle pas. C'est Pasto avec ses enfants. Tu as vu, nous, on monte, on ne parle pas. On ne donne pas notre avis là-dedans. Pasto avec ses enfants. Quand tu veux mettre ta gueule puante, tu vas voir. Framponne-nous. Si tu dis, tu as dit que tu as donné l'ordre, tu as demandé à D'Angelo de monter et de venir framponner Sylvie Tenier, Pasto et les membres de l'église. S'il te plaît, caresse D'Angelo qui vient parler. Fais-le. Caresse D'Angelo qui vient parler. S'il a des choses à dire, qu'il monte, il parle chez toi. Toi, du Cameroun, parle. D'Angelo ne peut rien dire parce que D'Angelo d'ailleurs respecte le pasteur. D'Angelo c'est quelqu'un qui a le respect, mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du Camerounais. L'homme camerounais finit toujours par trahir son confrère. La honte de ça. Vous n'avez pas honte. Yish. Vous avez vendu la honte, où c'est la dignité, tu as perdu. Surtout, j'ai insulté cette Jenny parce que c'est ma part de nourriture que j'ai vue. Parce qu'elle m'a copieusement insulté ici, moi et mes quotas. Insulté, c'est toi aujourd'hui tu fais le spectacle. Parce que tu te laves, c'est ton patron, c'est ton boss. Moi, comme pareil, moi-même, quand il me lave, je disais, je ne vais pas encore demander pardon. Vous avez honte, vous avez quelle dignité. Tu vis dans le Maghreb là-bas et tu parles aux vrais Européens comme nous. Tu parles au pasteur. Parce qu'il a fait des choses. Je te dis que tu es marrant. Ce qui est marrant, elle dit aussi que oui, je suis en pause. Hein? Je suis en pause. Ah non, mais les commentaires de ça. Je commentaire depuis deux semaines. Le pasteur supérieur a son concept. Je dis personne ne changera le concept du pasteur supérieur. Elle n'est même pas. Il a son concept sur la toile. C'est vous qui dites qu'il insulte. Le framponnement du pasteur supérieur, c'est vous pour remettre des personnes comme vous sur le droit chemin. J'ai dit bien des personnes comme vous sur le droit chemin parce que vous fautez tellement sur la toile et vous accompagnez vos sœurs à fauter.
Parce que le pasteur supérieur voudrait que ses sœurs soient correctes. Mais les personnes comme vous, du Cameroun, vous les accompagnez dans la merde. Parce que vous soutenez la merde. Au lieu de dire la vérité à vos sœurs, vous ne dites pas les vérités à vos sœurs. Vous les laissez dans la merde. Elles font des bêtises et vous les soutenez. J'espère que tu as suivi l'émission hier. Tu as suivi ce que Tata Aline a dit. Tu as entendu qui a détruit la vie de Tata Aline. Est-ce que tu as entendu du Cameroun? Alors faites attention. Quand Pasteur Frampon ici, il sait pourquoi il framponne. Et il framponne, il se lève pas, il insulte les mamans. Il n'a jamais fait ça. Jamais. Mais vous le faites. Vous insultez les mamans. Vous insultez les bas des mamans. Vous insultez tout. Il l'a jamais fait. Il framponne les merdes qui se baladent sur la toile. Il ne l'a jamais fait. Vous n'êtes pas d'accord avec son concept. Dégagez. Laissez Pasteur supérieur avec son concept. Alors, les concepts, mes créations, ma tous les jours dans leur bouche. Abonner le Kona, là, j'ai qui ici, pardon, parce que les filles, là, elle a besoin de mes insultes jusqu'à. La fille, là, elle a fait le coup, elle a dansé ici avec son petit cul, là. Moi, j'ai ton cul, là, pour moi, c'est 4 fois pour toi. Jenny, tu n'as pas le bagage. Maman, j'ai le bagage. Le devant et le derrière est bien meuleux. C'est qui me désole là-dedans? C'est. Ah. Le petit frère d'Angelo. D'Angelo, tu t'es mélangé à quoi? À qui? Non, c'est une merde. À une merde, tu t'es mélangé à la merde d'Angelo. J'ai beaucoup de respect pour toi. Tu te mélanges avec quelqu'un comme lui. Franchement, tu t'es mélangé à la merde. Et je te l'avais dit. Je t'ai dit, d'Angelo, c'est pas parce que quelqu'un t'a soutenu dans un problème que tu penses que cette personne est bien pour toi. Tu pouvais pas. Ce que tu es, tu n'avais pas à te mélanger avec ce nain-là. Avec ce nain qui vient m'insulter. Je dis que du Cambindo, mets la caméra, tu m'insultes. Je te lave propre. Je te lave. Je n'ai pas peur de toi, du Cameroun. Je n'ai pas peur de toi. On s'est vu, tu me connais. On s'est vu, je t'ai vu. Tu as vu ta taille et tu as vu ma taille. Je te dépasse en taille, ce qui est sûr. Je te dépasse en taille. Maté, tu sais, ça fait. Jenny Junior a toujours voulu draguer D'Angelo, ça fait très longtemps. Je vais te raconter la genèse de Jenny et D'Angelo. Avant que D'Angelo commence à chanter, quand D'Angelo chantait l'amour, l'amour de ça, maman, la dépression, ça va nous finir sur Facebook. Je sais que toi, tu es le star de ma star. Tu sais que moi, je t'aime bien, tu es le star de ma star, mais tu m'avais framponné. Toi, tu vois comment je framponne même le Lomania et D'Angelo. Donc. Ton tout, là, je vais m'asseoir sous vous, mais comme j'ai un petit respect pour ma star, je vais t'écarter, je framponne la petite avec son petit cul, là, avec son corps tatoué. Elle a tatoué toutes les cicatrices sur elle. C'est elle qui vient manquer de respect au pasteur. Tant que tu es sur tes pasteurs, je suis sur toi. Et ce qui fait, je l'insulte bien parce que c'est son frère de même village. Et j'aime pas ça. Jenny, tu n'es pas une devant ma soeur. Oui, pasteur supérieur. Matt. Oui, pasteur. Dites-moi un peu, là, quand D'Angelo Black ont fini de cette histoire-là, pourquoi ça quitte l'église? Pourquoi ça commence à faire ceci? Hein? Les va et vient. Hein? Parce qu'il était framponné de gauche à droite, hein? Et il ne voulait plus se faire voir. Moi, je viens, je fais un direct, ok? Voilà, je fais un direct pour que le mec... Hein? Et lui, il est là dans les e-box avec les Ducamer. Si Ducamer dit à D'Angelo Black, monte, tu viens faire ceci. Il y a du chantage là derrière. Il est parti se confier là. C'est désolant. Et pourtant, on a tout fait pour circonscrire cette histoire. Que cette histoire reste dans l'église et qu'on n'en parle plus. Et qu'on n'en parle plus. Mais maintenant, il est parti chez Ducamer. C'est Ducamer qui met encore le sujet avec ses amis là-bas. On commence à parler de ça, Vous parlez, ça parle. Ah oui. Franchement, c'est toujours D'Angelo, tu vas faire ressurgir cette affaire pour rien. Je dis pour rien. Parce que tu t'es allié à une merde. Ducamer, c'est une merde. Je le dis, c'est une merde. Ducamer, viens nous framponner. Tu as dit quoi dans ton direct? On t'a écouté. Demande à D'Angelo de venir nous framponner. Comme c'est ce que tu as promis. Si il t'a promis ça, mais pour que tu le couvres dans son histoire, dis-lui de venir nous framponner, du Cameroun. Mets ta caméra, tu viens nous framponner. Quand le pasteur est en train de gronder ses enfants, ses petits frères, ne mets pas ta gueule là-dedans.
Ça ne te concerne pas. En tout cas, je vous laisse. Je vais faire mon direct pour framponner Jenny Junior parce que m'intéresse à l'église. Je m'en vais, mon bébé. Protège Pasteur. On soutient à Pasteur 100%. Je vais faire mon direct. À tout à l'heure. Connectez-vous à 16. Je vais finir. Je dis le caricaturement de ça. Jenny, je vais finir avec toi. Ta race va s'éclater. C'est de ça qui. Je n'ai pas. Voilà. C'est moi qui te cherche. Ça ne veut pas que tu te vares. Je viens te chercher. Ça va, bébé, parce que je suis une maman. J'aime mes petites. J'aime mes petites soeurs. Et d'ailleurs, tu n'es pas ma soeur. Je n'ai pas tellement de même génération. Tu as souvent que Dieu t'a refusé le corps. Dieu t'a tout refusé. La poitrine, tu n'as rien. Dieu t'a donné. Dieu ne sait même pas ce que tu te ressembles avec tes fesses qui te retrouvent à genoux et tout ça. Tu viens manquer de respect aux 10 femmes qui sont bien bottelées. Le beurre de beurre, comme je suis. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu m'as insulté ici. Tu t'es réjoui au pasteur pour m'insulter. Que je me zibre pour draguer le pasteur. Pourtant, toi-même, tu as dragué Angelo. Tu as mené, non? Moi, je drague le pasteur, mais il est là, je le partage avec vous. Mais tu as mené Angelo. Mais sache que quand il va finir avec toi, il va revenir chez son frère. À tout à l'heure, quand tu vas à 16, je finis avec toi. Je vais finir avec Jenny Junior. Oh, c'est bon à moi, Jessica. Tu. À plus, charme de l'église. Et je vois celle qui a des furoncles au menton là en Italie, hein, qui prend le direct, bug, avec le mensonge de ça. Elle a dit quoi, hein? Là? Elle a dit quoi là-bas? Exact. Elle a dit quoi? Lisa campe toujours avec le mensonge. Elle dit quoi? Hein? Elle a dit quoi? Toujours avec le mensonge. Hein? Quand tu étais dans la bulle, hein, dans Zéro Blog était là, hein, Isaac Camp, je te pose la question avec ton mensonge. Quand tu étais dans la bulle, je connaissais Dangereux Black. Il était dans la bulle. Tu dis à tes gens que. Mais ces dents qui sont dans sa bouche, sa langue qui est dans sa bouche. Isaac, j'attends seulement qu'on m'appelle. Hein, de Douala que oui, il y a déjà un dentier. Ok? Et les tôles. Et un lit. Elle a fini d'insulter Tata Lolo. Elle vient maintenant se mêler de ton histoire. Ça la concerne en quoi? Tu peux connaître, moi, Isaac Kam, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui sais. Voilà, ton problème en Italie, moi, c'est moi qui t'appelle en premier. Voilà, parce que j'avais compris quand le voleur de poule avait appelé dans la bulle, hein, la période que ça te t'appelle tous les soirs. C'est parce que sur ta main, tu comprends? C'est moi qui viens. Une fois le monsieur l'a appelé dans la bulle, hein, nerveux, après je t'ai appelé. Ouais, avant que Abam ne vienne derrière t'appeler, c'est moi je t'appelle d'abord, je te compte, je te conseille, je demande de respecter ce monsieur-là. Parce que tu voulais fuir avec l'enfant. L'enfant avait encore des mois, il t'avait dit non. Ok? Tu risques de ne plus revoir ton enfant. Ok? Si on te chauffe. Hein? Et toi, tu parles, tu dis que oui. Hein? On était dans la bulle. Quand tu étais dans la bulle, Dangereux Black, on connaît. Qui connaissait Dangereux Black dans ce Facebook-ci? Hein? Qui connaissait? Hein? Toi, si tu viens te vanter, il t'avait dragué. Je sais, les lions, vous, les Tatiana, vous toutes là, il vous a dragué. Il voulait te faire venir ici à Paris, il te mentait. Hein? Il te mentait. Ok? Ton vieux tot, hein, de merde là que tu as commencé à nettoyer, à laver avec les ovules. Là, non, mais j'ai lavé maintenant mon tot avec les ovules, on ne peut jamais lécher. Hein? Regarde. Et vous mettez tellement au pas. Toi, tu peux allumer le direct, hein, avec tes ongles comme un écrasé de poison. Tu dis que oui, ton menton rempli de furon. Hein, tu dis que oui, hein, dans la bulle. Tu étais là. Dangereux Black était là quand tu étais dans la bulle. Hein, psychopathe, va. Arrêtez souvent de mentir aux gens. Et j'ai compris que vous, les gens qui te suivent, ok? C'est une bande de malhonnêtes, frustrés, vulnérables et tout. Est-ce que tu comprends? C'est les mêmes, hein? C'est les mêmes bandes là qui sont chez le nain du jardin là. Je vous tape sec. Hein? Je vous tape sec. Hein? J'ai dit à toute la toile que tu es sale. Hein? Tu ne sais pas faire ta toilette intime. Ouais, tu pues. Ouais, nous. Hein? Nous avons vu ici. Ok? Tu as fait tout en direct de comment mourir. Hein? Mon toubou ne sent plus. Je lave déjà ça avec les ovules, on peut jamais lécher. Ah non, mais je lave déjà ça. On lave le. Hein? Et c'est toi qui veux venir parler. Je me dis à toi que oui, hein? Ça avait été sale. Mais je me lave. Regarde, donc,
Hein? Regarde ton menton. N'importe quoi. Oui, pardon, prends du temps. Ne parle plus des furons que là, ça peut être contagieux. Oui, prends du temps parce que la carte de bouton là, si j'appelle ça furon, parce qu'on voit hein, à l'intérieur le lait super milk. Tu connais le lait super milk? À l'intérieur, qui peut t'embrasser, Isaacam? Des lèvres mal finies. Minbala, pour toi et comme ça là au niveau d'ici, il faut voir quand tu mets le rouge à lèvres. Hein? N'en parlons pas de celle qui est là-bas là au pays. Ben voilà, vous êtes mal fini. Hein? Isaac, comme toi, tu peux parler les histoires hein, d'amour. Hein? Qui te connaît avec ton derrière comme un croupion de dette? Qui te connaît hein? Pour que ton nom soit framponné par ces stars-là, c'est moi. Ok? Même les gens que tu travailles hein, pour elles là. Ok? Si elles ont eu à prononcer le nom avant que tu ne quittes l'église, c'est moi. Vous tous là, c'est moi. Les dangereux blés qui connaissaient, si on prononce le nom de dangereux blés sur la toile, c'est moi. Ok? Si on prononce le nom de Génie Junior, c'est moi. Hein? Les Lolo Foja, vous connaissez où? Hein? Les Lolo Foja, vous connaissez, je suis assidu ici. Hein? Avant à cœur ouvert, protégé à cœur ouvert. Vous êtes venu me prouver, je faisais que ce travail-là. Vous avez jusqu'à profité de ça pour prononcer le nom. Jusqu'à venir voler le concept. Jusqu'à venir voler n'importe le concept. Quoi. Allez, voilà, voilà quelqu'un ah. Qui dit qu'elle déteste quelqu'un. Tu es fan. Voilà. Alors, tu vois le concept de la personne à cœur ouvert, à cœur ouvert. Ah. Matt, quand vous voyez du camer, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que trop, c'est trop. Il passe le temps à dire que les gens sont laids. Les gens, attendez. Parce je vais vous montrer ces bas. Tu veux nous montrer la grosse tête là et les joues là qui sont comme les ballons gonflés là comme c'est ça. Non. Comme il n'a pas. Sale type comme ça là. Tu oses insulter les gens. Tu peux parler. Viens nous framponner du camé. Nous, on t'attend. Viens nous framponner. Tu nous connais même. Parce que vous avez les gueules ici là. On vous a dit que nous sommes les followers et qu'on a la même gueule. Et nous sommes Camerounais. De sur quoi? On a la même gueule que vous. Vous insultons vous la propre. C'est pas parce qu'on vous regarde. Regarde les joues. Hein? Et après, quand on va dire que tu consommes les cachets, hein? On t'a dit, va faire les tests. Ils prennent ça, ils sont les gonfles tout comme ça, là, comme les ballons. Les joues de du Cambido gonflent par saison. Ok? Regardez très bien, parfois ces joues baissent, parfois ça gonfle. Les lèvres, alors, n'en parlons pas. Avec des hémorroïdes aux lèvres. Hein? Vous pouvez avoir des commandes. Hein? Pasteur, on veut le parler de ses petits frères, tu te mêles. Il parle de ses petits frères, ce sont ses petits frères. Vous avez bien. Même moi, je n'ai pas parlé là-dedans. Hein? Mais toi, tu as quoi? Tu as un permis? Non. Tu as un métier? Non. Parce que ça, ce n'est pas un métier. Hein? Ce n'est pas un métier. Visser, ce n'est pas un métier. Tu viens dire que oui, tu es menuisier. Tu es sûr que Nancy peut être d'accordiser en tant que menuisier? Ah, jamais. Tu es sûr? Jamais. Elle a travaillé dans la menuiserie de son père, hein, au carrefour au Billy. Est-ce que tu comprends un peu? Ok, elle a raboté, elle a poncé. Vous venez là, yougou. Hein, vous parlez aux gens qui sont quittés au pays, sachant que Nancy qui travaille de ses doigts, vous voyez même, elle fait ses trucs elle-même. Elle fait confectionne encore ses perruques et elle n'a pas encore travaillé. Vous osez vous asseoir, la comparer si avec les larmes. Non. Vous êtes malade. Voilà déjà Bekash. Voilà Bekash justement qui dit que hein, il a fait quoi au jeu. Voilà. Parce qu'on a dit la lionne. Il dit que hein, les deux la vont niasse. Ok? Du Cambino. Il dit qu'il s'est prêté au jeu. Le saumon a dit. Suivez mon regard. À chaque fois, du Camer demande à Bertrand de l'inviter en Belgique. Du Camer, c'est un courbe. Je vous dis ça au ras. Mais vous voyez un homme qui regarde les gens. La petite sœur perle de luxe a donné son dossier ici. Jusqu'à donner. La personne qui fait avec du Cambindo. La petite sœur perle de lui, ça dit ça ici. Si le jour qu'elle monte ici, tu lui poses la question, elle va répondre. Lui, il peut insulter les gens. Du Cambindo, tu peux insulter les gens. Insulte-nous. Quand tu vas finir d'insulter, tu vas gagner combien? Il n'y aura que les mouches qui viendront s'agglutiner là-bas, dans ton direct, pour te donner cette force.
Mais le jour que tu ne vas pas insulter, tu auras deux personnes. Je t'ai dit, quand tu mets un vrai sujet, tu as moins de 20 personnes connectées. Tu as moins de 20 personnes connectées. Tu ne peux pas te permettre. Passe-toi en train de parler avec ses enfants. Il parle avec ses petits frères. S'il a un malentendu avec ses petits frères, il s'adresse à ses petits frères parce qu'il a vu qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu laisses, tu ne mets pas ta bouche dedans. Même nous-mêmes qui sommes à l'église, on ne met pas notre bouche dedans. Parce que quand pasteur a pris sa décision, c'est sa décision. Il parle à ses petits frères. Si on doit parler à D'Angelo ou à Jenny, on va le faire. On n'a pas besoin de te placer ici. Et après, parce que tu parles là, il sait pourquoi il parle. Tu mets ta gueule là-dedans, ça te concerne en quoi? Tu lui dis que tu avais dit à D'Angelo de venir framponner l'église. Après, D'Angelo vient framponner l'église. Appelle-le. On ne travaille pas. La voiture, c'est juste pour rentrer au Havre. Donc on rentre au Havre, on rend la voiture et j'ai eu Mathieu. Pour demain, il va louer un camion ou quoi et on reviendra demain avec un autre camion. Et on ira au garage. Bonjour Charlotte. Jamais. Parce que en fait, les gens viennent avec beaucoup de calculs sur Facebook. Les gens ne sont pas. Quand les gens viennent sur Facebook, ils sont pas sincères. Quand tu es avec les gens, il faut être sincère avec les gens. Quand tu n'es pas sincère, il t'arrive beaucoup de malheur. Quand tu n'es pas sincère, il t'arrive beaucoup de malheur. Et il faut pas t'accrocher avec plusieurs personnes. Faut pas t'accrocher avec plusieurs personnes. Parce que quand tu t'accroches avec plusieurs personnes, tu n'es pas sincère. Il faut être avec une certaine catégorie de personnes et tu restes tranquille avec. J'avais beaucoup conseillé D'Angelo Black, c'est moi qui t'ai ramené dans le game. Tu ne maîtrises pas ce couloir-là. J'aimerais que, même si je suis en train de framponner, quand tu montes, hein, fais la sensibilisation. Même moi-même, il faut que ça me pénètre. Est-ce que tu comprends? Mais comme du Cambito faisait du chantage là-bas, là, tu comprends? Voilà, il a fait du chantage à D'Angelo Black. Et c'est comme ça, là, à chaque fois du Cambindo, hein, appelait D'Angelo Black, dit que oui, nous sommes ceci, nous sommes cela, hein, tout juste pour que D'Angelo Black réagisse. Mais lui, comme il a vu que je ne suis pas peut-être comme du Cambindo, hein, je ne peux pas venir là et parler, mais du Cambindo peut le faire, il va s'accrocher avec du Cambindo. Hein. Du Cambindo nous insulte. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à D'Angelo Black ici? Surtout vous, les femmes là. Hein? Vous ne lui avez pas fait quoi? Hein? Même des conseils. Moi-même, je m'étais dit que maintenant, hein? Le gars, est-ce qu'il a vraiment connu même la vie, la femme, hein? Quand il était jeune? Moi, je disais, à chaque fois, il disait que non. Hein? On ne te comporte pas comme ça là. Même moi, j'ai eu les infos. Mais justement, pourquoi? Parce que tu vois, même quand tu es en train de framponner D'Angelo, nous, on a de la retenue là, on a de la retenue parce que on a côtoyé D'Angelo. On le côtoie toujours et on essaie de lui donner des conseils. Concernant le framponnement de l'église, moi, j'ai dit à D'Angelo, laisse pasteur avec son conseil. Laisse pasteur avec son conseil. Le concept de pasteur, tu vas le comprendre plus tard. Quand certaines choses seront ôtées, tu vas comprendre le concept de passe plus tard. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vois pas les fruits. Parce qu'il y a les gens, comme du camer sur la toile, qui continuent à encourager ses soeurs à rentrer dans la merde. Parce que passe est ici, il framponne et en vous disant que faites ceci, faites cela, ne soyez plus ceci, ne soyez plus cela, c'est pas le framponnement. Mais vous faites les directs, vous dites que passe tu te les femmes. Il a insulté quelle femme? Il a insulté quelle femme? Il vous dit les vérités. Il vous demande de changer. Parce qu'il vous demande de changer, c'est tout ce qu'il vous demande. Il vous demande de changer. Surtout la toile camerounaise. Il y a beaucoup de choses que les blogueuses font sur la toile qui ont beaucoup d'impact sur la jeunesse au Cameroun. C'est ce que vous ne savez pas. Ça a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun que ici sur la toile. On a posé des actes ici sur la toile et la jeunesse copie. Donc, quand passe au framponnement, il sait pourquoi il le fait. C'est ce que j'ai dit à D'Angelo. C'est ce que j'avais dit à D'Angelo. Laisse passe-toi avec son framponnement. Je ne sais pas qui rentrait auprès de D'Angelo pour dire à D'Angelo, va dire à passe de ne plus framponner. Non, c'est le concept de passe. Et c'est comme ça et pas autrement. J'ai dit c'est comme ça et pas autrement. Personne ne change ça. Personne. Et puis, toi, Eric,
de machin là. D'abord, tu seras au béton tout à l'heure. Tu seras au béton. Parce que tu n'as jamais, été complice des nudes, de partage de nudes de qui que ce soit. Il faut arrêter vos bêtises que vous aimez coller sur les gens. Il n'a jamais été complice de qui que ce soit. Et puis, s'il y a les nudes sur la toile, venez nous donner les nudes là. Montrez-nous les nudes qui ont été sur la toile, qui ont été partagés. S'il y a les nudes, vous parlez des nudes à gauche, à droite. Où sont les nudes? Donnez-nous les nudes. Montrez-nous les vidéos. Vous ne mettez pas complice des choses. Pasteur n'a jamais été complice de quoi que ce soit. Pasteur a sa vie. Hein. Il mène sa vie privée en dehors des réseaux. Vous pensez que sa vie privée est dans les réseaux sociaux? Il a sa vie. En dehors des réseaux sociaux, Pasteur a sa vie. Et la vie professionnelle, vous voyez ça. Il met les directs ici, vous voyez sa vie pro. Mais sa vie professionnelle, sa vie privée est sa vie privée. Elle ne nous concerne en rien. Elle ne nous concerne pas. Et vous-même, ça ne vous concerne pas sa vie privée. Et il n'est pas là pour regarder les vies privées des gens. Il ne contrôle pas les vies privées des gens. Mais il donne des conseils à ses petits frères que faites attention sur ça, 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 ça. C'est les conseils que Pasteur essaie de vous donner. Mais ne prenez pas ce conseil. T'as vu le chef là? Il ne pouvait pas envelopper. Mais non, Sylvie. Moi, c'est pourquoi je ne vais même pas dans les directs là, où je sais qu'on est en train d'insulter les personnes que moi j'affectionne. Je ne peux pas aller dans ces directs là. Je ne peux pas aller dans leurs directs. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller dans leurs directs. Je ne peux pas. J'ai dit même avant que je ne sois ici à l'église, avant quand j'étais dans mes trucs politiques là, puis ta mère faisait toujours des directs. De temps en temps, je tombais sur ces directs et je venais lui dire, ouais, laisse tes deux sœurs là, parce qu'ils framponnaient Lolo et Compressor. Tout le temps, ils soutenaient Flore. Ils insultaient les deux femmes là pour soutenir Flore. Et je lui disais, c'est quoi? Elles sont aussi tes sœurs camerounaises. Il y a quoi? Que tu les insultes. Tous les jours, tu places ta caméra tous les jours. C'est pas aujourd'hui que Ducamel a commencé à framponner Lolo. Il framponne Lolo depuis. Mais lui, dès que tu les gratines seulement comme ça, juste un peu comme ça, là, il vient nous mettre ses grosses boules de couscous là sur la caméra et il vient nous parler. Tu parles à qui? Tu veux parler aux gens? Tu peux parler aux gens? Tu traites les gens de prostituées. On s'est prostitué avec ta mère. Faut faire attention. Hein. Vous traitez les gens de prostituées. On va vous rendre ça. Hein. C'est vos mamans qui étaient des prostituées. Vous traitez les gens de prostituées? Chouin. Si c'est lui qui signa, il faut le bloquer. Il faut bloquer Sylvie. Il faut le bloquer. C'est lui qui signa tes commentaires, tu bloques. Il faut bloquer tous les profits des gens. Méfiez-vous avec du Cambindo, il n'est pas fait play, hein. Il signale. Hein. Il n'est jamais, moi, je vous fait dis la... Il n'est jamais fait play. Il signale beaucoup les pages. Vous voyez les gens là. Hein? C'est lui qui disait que oui, hein? Au niveau de la monétisation, c'est lui qui crie bo. Même lui-même. Même on est dans les mêmes générations, c'est dit. On est avec lui dans les mêmes générations. Il passe son temps à insulter les gens vieux. Il m'a vu. Je lui pose encore la question. Quand il m'a vu, j'étais vieille. C'est les mêmes générations. On est dans la quarantaine. On est mais oui. À la quarantaine, monsieur. Vieux, vieux. Parce ce n'est pas parce que tu dragues les petits filles sur la toile, tu penses que tu es petit. Tu es jeune. Hein? Ce n'est pas parce qu'il a des gros joues. Il y a une catégorie de personnes avec des joues. Hein? Est-ce que du Cambindo, quand vous voyez ces hémorroïdes aux lèvres là, c'est un enfant, hein? Quand du Cambindo porte le Bermuda, quand vous voyez ses pieds là, hein? Le gars depuis, ça fait 5 ans, frère, va récupérer tes mimbans à côté du mur, ok, en Espagne. Ça respire encore, j'avais demandé à la nature, ok, de laisser ça en vie. Le gouvernement espagnol n'avait jamais nettoyé les lieux parce que c'est devenu un lieu de recueillement. Va récupérer tes mimbangs, tu vas devenir un homme. Non, hein? Non.
tu veux vivre dans la mamaille, forme-toi pour avoir ce métier-là. Ce métier-là. Hein? Vous n'êtes pas mendier sur la toile. Toi, tu peux framponner quelqu'un qui te donne les étoiles. Tu peux. 20 000. Tu peux. Tu me demandes de rembourser l'argent. Hein? Dis-lui, pose-lui la question. Tu demandes de rembourser l'argent de qui? Pose-lui la question que est-ce que de Kambou, tu n'avais pas dit. Il te demande de rembourser l'argent de qui? De D'Angelo Blaise. Hein? Il est le parent de D'Angelo. Agi de Léon, sache que bien. Va poser la question à Agi de Léon. Hein? Ok? Moi, je ne suis pas comme vous. Je compte sur mon réveil le matin. Mais toi, tu ne peux pas compter sur ton réveil. Est-ce qu'il est le parent de D'Angelo? Que D'Angelo lui demandé? Du Cambindo, sur la vie de mes enfants, je n'ai jamais eu de pension alimentaire. J'aime mes enfants comme bon me semble. Tu comprends? Quelle horreur que oui, on te conditionne pour élever ton enfant. Hein? Regarde-moi, je ne suis pas comme toi. Hein? Regarde même celui de Kang là. Ok? Il reste un an. Est-ce que tu comprends? C'est là où, tu sais, moi quand je parle, je fais. Tu vas voir la métisse là qui est venue là, yugu, 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 yugu. Il reste un an. Et c'est là où vous allez comprendre que oui, il y a Mimbang et Mimbang. Vous êtes là, yugu, yugu. Tu vois tes enfants? Hein? Est-ce que tu vois tes enfants? Tu vois tes enfants? Hein? Tu es venu ici? Hein? Le peuple camerounais va te remercier avec quoi que oui, tu es parti à l'extérieur. Hein? Là où on sait sur un plateau si tu veux devenir ingénieur, hein? Au cas pour l'emploi, si tu veux devenir quoi? Si tu veux devenir quoi ici? On te gère ça. Moi, je suis quitté au pays. J'avais des licences. Mes licences ont coûté 17 500 euros à la France. J'étais où? Hein? Pourquoi toi, tu ne veux pas profiter de ça? Hein? Pourquoi tu ne veux pas profiter de ça? Hein? Pour avoir aussi la grosse bouche comme de nous, comme ça là. Hein? Pourquoi? Tu peux framponner une personne qui te met les étoiles? De comment vous le faites? Surtout quand ça vient jaunir la belle. Ok? Surtout quand ça veut narguer ses ennemis. Hein? Vous êtes même comment même? Hein? Léa Vianney, big up, big up, big up, big up. Arrêtez ça. Moi, je continue à vous dire. Du Cameroun, nous sommes en Benga. Je te dépasse depuis le pays. Je suis né avant toi. J'ai commencé à faire les mougoupans, à piner les femmes avant toi. Voilà. Fais des enfants avant toi. Je suis venu en Benga avant toi. Ok? Commencer à gagner de l'argent avant toi. Ok? Passe au Ducamel, demande que tu rembourses les étoiles. Qui rembourse aussi les étoiles d'Edith? Là. Rembourse voilà. Les étoiles d'Edith. Rembourse ses étoiles. Voilà. Rembourse il n'a même pas honte. Les étoiles d'Edith, de tout le monde rembourse leurs étoiles. Tu peux. Il continue à garder la photo d'Edith sur son cul de profil. La honte de ça. Edith a fini avec lui. Edith est la personne de Amé Kamé. Point barre. Matt. Tu sais, moi, quand je dis quelque chose, ok, je ne m'abstiens pas, je parle. Je dis. Tu avais déjà vu ça. Quand Edith était chez Ducambindo, tout le blog de Ducambindo, c'était pour descendre Amé Kamé. Ben oui. C'était pour comprendre Edith que Amé Kamé ceci et Amé Kamé comme cela. Hein? C'est normal ça là. Non, on avait même discuté de ça. On avait même discuté de ça. Il dit que, mais comment Edith peut être là-bas? Mais tous les jours, il a jamais. Je répondais à tous les commentaires d'Edith que, au Calga. Edith, il faut demander à Edith, est-ce que je suis un menteur? Je connais du comportement d'un bâtard. Non seulement du Cambino, c'est la carte que, si c'était lui, moi, n'est-ce pas? S'il était à ma place, hein, mais ce que vous là, vos maris vous fouettent à la maison avec les coups de fil de 3h du matin, je ne vous manque pas. Du Cambindo, une fois, n'est-ce pas, tu lui accordes hein, des coups de fil, mais mon ami, tu vas lui le. Hein? Tu vas le laisser appeler, il va appeler qui? Il va appeler la première fois, du matin. Il est malade. La première fois que Dangelo Blaise dit que oui, ça règle nos problèmes. Hein? Aussitôt, ça a commencé à vouloir voir Dangelo Black. Tu es où je viens te voir? Hein? Dangelo Black était obligé de mentir. Hein? Vous croyez que je suis un graqueur de mie comme les vous?
Hein? Du Cambindo, je te lance encore un défi. Ok? Voilà ma maison. Voilà. Les escaliers vont se monter. Les marches. Ok? Après maintenant, toi aussi, la maison que tu manques depuis 10 ans sur Facebook. Ah, là, il a dit qu'il met le litchi, pastor. Il met le litchi. Tu n'as pas entendu. Ouais, il met les étoiles, tout ça. Ouais. Il met le litchi. Il met le litchi. Hein? Même dans mes poches là, j'ai l'argent des escaliers dans mes poches en coupon de 50. Et il y en a bilan. Vous croyez quoi? C'est deux dalles. Je vous dis ça. Oh, ah, deux dalles. Allez vous renseigner comme ma société renseignée chez Malox. Deux dalles. Ok? J'avais commencé chez Renault. Voilà, mais deux dalles. Nya, 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 nya. Il va vous mettre le feu. Hein? Nous allons donner à César ce qui appartient à César sur cette toile-là. Hein? Toi, tu es là, mais tu fais pas les autres pour celle-là. Celle qu'on invite pour aller faire vendre le bouillon. En tout cas, j'espère qu'il a suivi l'émission hier et il a entendu que sa personne a foutu la merde dans la vie de Tata Ali. Il a suivi hier. Donc, qu'il la ferme. Il n'est pas un homme pour parler. Il dit, demande à D'Angelo de venir nous framponner. D'Angelo, c'est notre petit frère. Quand Pasteur se lève pour parler à D'Angelo, tu la fermes. Voilà. Tu la fermes. Quand Pasteur parle à D'Angelo et à Jenny, ce sont ses petits frères. Tu les connaissais pas. Donc, tu boucles ta gueule là. Là-dedans. Hein? Big up, big up, big up, Lolo. Big up, big up, big up. Bonjour, Lolo. Bonjour. Bonjour. Très belle émission hier. Hey, très belle émission. Yeah. Très belle émission. Hein? Franchement. Je t'avais dit de monter. La façon que tu avais appelé Dangereux Black de monter dans ton direct pour venir laver l'église. Hein? Mais mon ami, quel manque de respect! Hein, ça faisait longtemps. Hein, et moi, je continue à dire, moi, la façon que j'avais parlé sur cette histoire-là, hein, toi, tu as même parlé, tu avais fait quoi? Hein, c'est de comment Mugu qui avait tué ça. Parce que s'il restait tranquille, la bombe qui allait arriver ici, là, sur la toile, il n'a rien fait dans cette histoire. C'est nous qui avons calmé le problème ici, sur la toile. C'est nous qui avons calmé. Mais le problème, il y a les gens qui ont pris les baristas. Patricia a été framponnée ici à l'église par le pasteur supérieur. On a demandé à Patricia, ferme ta bouche dans l'histoire là. On a dit à Patricia, ferme ta bouche dans l'histoire là. Toi, tu dis que tu as fait. Si, moi, je lui avais dit. Tu as aidé. Hein? Je l'ai en quoi. Tu ne vois pas des preuves, mais tu veux parler. Tu as aidé en quoi. Tu ne l'aides pas. Tu veux juste l'accompagner à détester les gens qui le soutenaient. Tu ne l'aimes pas. Biga. Milliardaire, ça c'est notre refuge ici. Ok, c'est notre refuge ici. Ici, il y a le sourire. Nous souffrons beaucoup. Hein? Quand vous venez à l'église, au moins le pasteur, même du Cambindo lui-même, il prend mon direct, il était mort de rire. Hein? Ça un peu diminuer sa dépression. Allez voir comment il était content d'écouter de comment Mugu framponner. Ça veut dire qu'il se foutait même encore de la gueule de D'Angelo Black. Hein? Vous me connaissez? Hein? J'ai fait mon framponnement avec de l'humour. Ok? Avec de l'humour. C'est comme Bigard. C'est ça. Moi, on ne peut pas dire à quelqu'un. C'est seulement à Ducamel d'enlever sa bouche dans l'affaire là. Parce que c'est pas toi et ses petits frères. Enlève ta bouche dedans. C'est pas toi et ses petits frères. Parce que même nous-mêmes, on ne peut pas venir parler à D'Angelo en public comme Pasteur en train de faire. Pasteur, lui, il peut. Nous, si on doit parler à D'Angelo, ce ne sera pas en public. Si je dois dire des choses à D'Angelo, ce ne sera pas en public. Ce ne sera pas en public. Mais si D'Angelo vient me parler en public, je parlerai à D'Angelo en public. C'est comme ça. Mais moi, je ne parlerai pas en public, mais Pasteur sait pourquoi il est en train de le faire publiquement. Pasteur ne parle pas trop dans les inbox, hein. Pasteur que vous voyez là.
Il n'est pas trop dans les inbox des gens. Il ne sait pas rester dans les inbox, pasto. Lui, quand il veut parler sa chose, il vient direct là, il met son jet. Même dans la bulle. Même dans la bulle, est-ce qu'il y a du mat? Pasto ne reste pas. Il ne reste jamais dans la bulle. Il vient une seconde, il est parti. Pasto ne reste pas. Pasto ne reste pas dans les bulles. Même dans les inbox, vous ne le verrez pas. Il n'appelle pas. Depuis que je connais Pasto, je n'ai jamais eu un coup de fil de Pasto ou bien moi-même appelé Pasto. Jamais. On parle dans la bulle. Mais les gens que je ramène, ça dit des femmes mariées, vous appelez même à 3h du matin. C'est normal ça là. C'est normal ça là. Et après, ces femmes-là vont peut-être croire que oui, je suis au courant de tout. Et c'est vous qui parlez comme des serpents. Hein? Vous m'avez déjà vu venir vous dire que oui, j'étais avec tel au téléphone, hein, où on s'est dit ceci ou cela. Ben non. Hein? Quand vous partez même draguer les femmes, hein, gardez ça pour vous. Mais une yougou yougou toujours se vanter que oui, on m'aime. On vous aime comment au noir. Hein? Sortez comme les loups. Ouais, pasto, je vais passer un petit message à Tata Lolo. Tata Lolo, ton émission était très très belle hier. Mais s'il te plaît, prends les questions que tu as prises, que tu as relevées. Ne mets plus jamais le téléphone en appel. Plus jamais que les gens appellent. Les gens, les Camerounais ont un manque de respect. Ils ne peuvent pas évoluer. Et c'est comme ça qu'ils vont continuer à faire, à salir la chose de quelqu'un. Donc ne mets plus jamais les appels. Il faut toujours prendre les questions des internautes. Tu prends les questions des internautes comme tu as posé les questions l'autre jour. Les gens te mettent les questions, tu les notes et maintenant tu poses les questions à ton invité. Ne laisse plus jamais les merdes là appeler. Ne laisse plus. Parce que c'est être mal élevé ce qu'ils ont fait hier. C'est être mal élevé. Ils n'ont même pas la grandeur. C'est-à-dire grandir, même dire que non, on suit seulement. Attends. Les gens sont mal élevés, ils prennent le téléphone, ils viennent insulter Tata Ali, ils viennent insulter Tata Ali. Mais c'est quoi ça? Vous n'avez rien à faire de vos vies ou quoi? Vous vous ennuyez tellement dans vos vies qu'il faut venir insulter. Franchement, voilà les gens qui disent qu'ils ont des vies. Bonjour ma beauty. La blague beauté. Bonjour, Bella. La blabouti. On va te tuer. Hein? On va te tuer. Ne croisez plus jamais le chemin de Bitouma. Voilà donc alors ça a été dit. Voilà ça. Si tu vois que elle a maudit tout le monde, mais moi, c'est moi qui dois die. Ça veut dire le caillou doit prendre mon pied et ça doit prendre la bouche qui parlait là. Elle dit que je vais die. Mais les vous autres, elle vous maudit. Et dédicace. Il faut laisser du tout, papa. Il faut laisser du tout. L'Angala, je ne le connais pas. Mais Jean, c'est sûr que la mamie là ne m'avait pas rôle. Parce que si la mamie là m'avait rôle, hein, je serais retourné à Surense. Mais Jean, je ne vous mens pas. Bella, waouh, ben tu rigoles. La mamie là ne m'avait pas rôle. Parce que la plupart des temps, pour moi, elle enlevait du congélateur. Je voyais devant mes yeux. Mais. Les histoires qu'on commande là, Ab Mbol de vérité, Ab Gombo, Mikalga, elle gratte les fesses, elle ne peut pas laver les mains. Et elle fait fou. Avec les mains. Pasto! Bitouma. Allons, Abitouma, Bitouma, et la bassuresse. Allons, Abitouma, Bitouma, et la bassuresse. Il y a un appartement.
d'une blogueuse camerounaise qu'on avait rapatriée. On avait rapatrié Bituma. Elle, quand elle bouffe le Ndjangui, c'est vraiment le Ndjangui. Hein. Comment elle qui est Bituma, hein? Toi, la malchance te suit partout, maman, j'ai le peur, et c'est sur toi qui ne. Bituma, mais déjà, vous avez vu quand on avait rapatrié Bituma dans l'avion. Tata, elle lui dit que, mais pourquoi tu fais le direct? Comme elle aime toujours appuyer son doigt rempli de panari, là. Elle était là. Elle était étonnée que, mais, dans mon propre. Mais là, je pense que c'est nul et sans effet, ça ne prend personne. J'ai dit, personne. J'ai dit que. Non, mais depuis que Bituma, là, Bituma, depuis la canne sucrée, ça ne va pas. Elle est Ndjangui. Voilà l'appartement, la deuxième fois qu'elle boule Ndjangui. Moi, j'avais vu deux asticots faire la diagonale. Mais mon ami, mais Jean, hein, là-bas, la sureuse, le tapis là, tu marches là-bas, la pied nue, hein, tu accables les mycoses, je ne vous manque pas, oh, hein, un tapis, le sperme s'est versé là, hein, les magras là, la nourriture là, le dentol là, le départ, ça dit le tapis là. Mais mon ami, nickel, gars. Et c'est là-bas, là. Hein? On veut une maison avec de l'air pur. Il faut voir la macocotte. Babala. Le liquide alors à l'intérieur. Je comprends pourquoi les narines de Bituma. Hein? Ces narines coulent comme un mouton. H24. Hein? Les odeurs de ça. Hein? Toi, du camel, tu peux dire que je framponne les gens. Hein? Toi, tu ne vois pas. Quand on me fait ça, hein, on me fait ça. Regardez Bituma, je vous mets au pas. Hein. Bituma, une gars, du Djalobo. Voilà. Le village, c'est-à-dire le secteur du président de la République, on l'a rapatrié avec le passeport vert. La magie. La magie. On peut encore comprendre, Tata Aline avait son Bordeaux, elle s'en foutait. Hein. Bituma ne s'en revenait pas. Hein. Elle a oublié que oui. On vient la chercher d'aller manger dans un restaurant de renommée. Hein? Ouais, elle n'a pas demandé les chenilles, les rissons, hein? Et beaucoup aussi. Hein? Regardez-moi une femme. Hein? Ouais, Pastor. On ne demande pas pourquoi. Elle est au Cameroun, non? Il y a quoi? Ma, toi-même. Est-ce que c'était les Gaza? Est-ce que c'était les restaurants du pays pour aller demander les chenilles et les hérissons? Hein? On te met là où. Attends. On vous met là-haut. On vous amène donc alors dans un restaurant des gens qui sont là-haut. Tu peux demander les chenilles. Hein, alors que ta famille est remplie au Mont-Pélé. Hein, ça ne peut pas te ramener les chenilles là-bas. Là. Ah, je croyais que tout le monde était parti. Ils sont partis avec ma clé. Elle dit que même moi, on fait, même dans la maison. Non, mais Matt. Moi, ouais, j'ai fait la vente première hier. Tu comprends? Ouais. À quel. Et j'ai aussi fait la petite veillée. Mais toi-même, disons-nous des vérités vivantes. Les gens vont venir dire que oui, c'est parce que c'est Lolo. Matt, il y a beaucoup de chaînes de télévision là. Des vraies chaînes de télévision. Quand tu vois le contrat d'Akero Vert là, quand tu as vu madame la journaliste avec les lunettes à la Nana Mouskouri, sa tenue, Data Ali a même d'abord fait la talakou de ça. Sinon, quand vous voyez donc alors, Ewolo Minga. Ils ont dit, oh, quand vous portez les lunettes, il faut savoir quel genre de lunettes vous portez, si ça va avec votre visage. Attends, j'ai bien capable de dire que les gens vont canner Stamania à la Nana Mouskouri, les portes de Lolo. Il faut arrêter ça. Hein, tandis que l'autre, on lui conditionne voilà, de faire le bouillon et vendre à la fête le soir. Les concrets de ça. Non. Ah, disons-nous des vérités vivantes. Hein. Le concret, que ce soit la pub, que ce soit quand le lot passe souvent récupéré, voilà, l'invité, les petits trucs. Même attends, après je vais voir des puronques qui vont sortir là de gauche à droite. On doit dire à Tata Lolo de boucher ses oreilles, de fermer ses yeux, de fermer ses narines, de ne rien écouter parce que ce qu'elle fait là. C'est du top. J'ai tout dit hier. Parce que Lolo. Matt. J'ai mené des combats avec les abeilles.
ok? Ouais. Ça dit les Abel et les Lomayang, ok? Il y a une très grande différence. Mal. Vous voyez, les Lomayang ne font pas que le. Non. Moi, je ne vois même pas. Non. Conditionné. J'ai pris le temps de les étudier. Elles sont des femmes dignes. Ouais. Elles sont des femmes dignes. C'est pas Marie. C'est le chat d'église qui est un peu palapala. Mais le chat d'église. Elle ne vient pas me fanfonner, hein, le chat d'église. Le chat d'église. Le chat de l'église est un peu palapala. Non, tu sais que le chat de l'église, elle joue un très grand rôle. Il faut toujours des personnes comme celle-là dans une équipe. Tu sais que le chat de l'église, voilà, donc alors elle a ressorti les profils quand il y avait les refoulés. Ouais, le chat de l'église, ne viens pas me framponner. J'ai dit que les Lomagnas, j'ai pris le temps de les étudier, elles sont des femmes dignes. Mais toi, tu es un peu palapala, mais c'est ça qui fait aussi ton charme. C'est ça qui fait aussi ton charme. Donc, Tata Lolo, ne t'inquiète pas, tu as une équipe de femmes fortes. Ne te mets plus dans des directs pour donner des explications à qui que ce soit. Tu ne dois rien à personne. Tu parles même plus. Tu parles plus. Matt, qu'elle ne parle même plus si on la provoque. Tout le plus, c'est que quoi? J'ai dit quoi hier? Il faut qu'elle comprenne tout simplement que oui, son nom, voilà, c'est son nom qui donne maintenant la visibilité de l'argent. Hein? Mais si on a un dentier à Douala, c'est bien, non? Hein? Si on a un matelas à l'étoile, c'est bien, non? Hein? En tout cas, son nom donne. S'il y a le Ndjangui, elle bouffe son Ndjangui au calme, c'est comme ça. Elle n'a pas besoin de venir parler, machin. Tu as fait du top hier avec Tata Ali. Oui. Parce qu'il y a des choses que les gens ne maîtrisent pas. Parce qu'on dit, on demande souvent à certaines personnes pourquoi tu détestes un tel ou un tel. On ne sait pas pourquoi la personne déteste un tel ou un tel. Tata Ali vous a donné des réponses hier. Elle vous a dit de quel subit. C'est pas parce qu'elle danse tous les jours, on la prend pour une fingue. Mais elle a dit ce qu'elle subit de la part de ses propres sœurs camerounaises. Elle vous a dit ça hier. Elle n'a pas. C'était pas pour pleurer votre pitié. Non. Elle a dit qu'elle est une femme forte. Que si elle n'était pas une femme forte, c'était qu'elle n'est plus en vie. Elle ne pleure pas. Elle n'a pas pleuré. Elle a continué à vivre. On l'insulte, elle est toujours là. Elle est une femme forte. Donc, continuez à détruire les vies de vos sœurs. C'est sur celle de Lolo que vous êtes assise maintenant. C'est ça. Moi, j'ai fait un direct hier, mon introduction, c'était pour demander à Lolo. Parce que moi, je vois là. Voilà. Je vois un peu de partout là. Même Lolo qui avait dit que oui, ça avait son nom qu'on va manger, on va bouffer. Voilà. Qu'elle soit fière de ça. Parce qu'avant, on disait souvent que c'est le nom de Lolo. Qu'elle soit fière, ça veut dire on ne prononce pas n'importe qui. Ah non. Voilà. Moi, je ne vous manque pas. Hein. Je ne vous manque pas. Je suis content quand on me prononce partout. Même si on m'insulte, moi, je suis content. Et dis-toi, mes gens, que laissez. C'est la fabrication. Laissez. Mais pas ça. Moi, mes gens, je me dis, ton nom était ici. Je dis que, est-ce que quand les gens là étaient en train de m'insulter là-bas, tu m'avais vu là-bas? Elle dit non. Tu m'as entendu répondre? Elle dit non. Il dit alors c'est celle. Ça veut dire que je ne les gère pas. Quelqu'un t'insulte, tu ne gères pas la personne. Ça veut dire que qui est au-dessus de l'autre? C'est moi. Et là. C'est ça. Et là, au caca. Yo, kabika, biga, biga. Non, mais je te mens pas. Lolo les fait mal. Mais Mad, regarde le contraxe. De la... Regarde. Hein? Je dis, il y a des vraies chaînes de télévision. Mais mon ami, tu ne vois pas. Qui n'ont même pas le décor. Qui n'ont pas le décor de Lolo. Au lieu. Qui n'ont pas le décor de Lolo. Ils n'ont pas le décor de Lolo. Au lieu de profiter de tout ça là. Hein? Regardez la toile camerounaise. Dès que quelqu'un commence à voir de la publicité, bac, on signale. Au Bahat. Hein? Mais oui, c'est comme ça qu'ils sont. Hein? Ça va contre ceux qui ne se lèvent pas. Les moi comme ça là, rien à foutre. Moi je m'amuse. Vous-même, vous ne savez même pas.
hein, à tel point, à quoi vous m'aidez. Si je perds le sourire, mes gens, c'est pas bon pour moi. Vous m'aidez beaucoup, mais vous ne savez pas. Depuis la pandémie, là, hein, quand on vous avait mis dehors. Moi, je m'amuse sur Facebook. Vous qui insultez, qui passez votre temps à insulter, là, moi, je m'amuse bien. Je m'amuse bien. Je m'amuse et ma famille sait que j'aime Facebook. Et quand je suis à Facebook, je m'amuse. Je ne suis pas quelqu'un qui va dans les balades, dans les boîtes de nuit ou quoi que ce soit, non. Si je ne suis pas au boulot, je suis à la maison, je fais mes choses. Pendant que je suis en train de faire mes choses, comme là actuellement, je suis dans ma cuisine en train de faire. Je suis là et j'écoute Pasto. Voilà. J'ai accompagné mon dernier marché pour faire son entrée en sixième. Alors, que demander au Seigneur? Eh oui, j'ai accompagné mon dernier marché à faire son entrée en sixième. Et je reprends le boulot demain. Voilà. Ah, bonsoir, Josh. Ça va? Ça a été? Ça termine à quelle heure? Ah, ok. Eh bien, voilà. Non, commence à rentrer. L'émission était ndourou. L'émission était ndourou. Tu vas voir. Vous allez voir, Matt. Oui. Tata, le jeu évolue comme ça. Tu es au top. Franchement. Tu demandes à Lynn. C'est ton truc. Reste dans ton truc. C'est ça. Chez nous, si ici. Ça va améliorer. Ça va arriver avec le temps. Ça va arriver avec le temps. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Ne baisse pas les bras. Il ne faut pas que les personnes négatives te poussent aussi à être négative. Reste tel que tu es. Garde ce sourire. Le sourire que je t'ai vu adresser à Tata Aline hier. Garde-le. Garde ce sourire. Ben oui. Garde ce sourire. Quand on sourit, c'est plus important. On évite les problèmes quand on sourit. Les problèmes de santé, surtout. Reste comme tu es. Ne change pas. Il faut laisser les gens parler. Les gens volent ton concept. Mais quand on regarde les gens qui ont volé le concept, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Fais tes choses. Les gens connaissent tes valeurs. Big up, big up. Mais bien sûr. Mais attends, c'est pas professionnel, hein. C'est dans le temps. Mais oui. Ah ouais? Parce que les gens disent c'est télé. Elle a bien expliqué. On dit bien TV Web. Elle dit bien TV Web. TV Web. C'est ce qu'elle a dit. Lolo, Lolo, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer avec toi. Les gens vont te framponner. Mais à chaque fois que tu fais ton émission, ok, ça commence du lot. Tu vas être comme ça, là, tu reçois un coup de fil. C'est comme ça, moi, je passe souvent mes choses. Hein. Voilà. Tu peux être comme ça, tu reçois un gros coup de fil. Hein, et ta vie change là. Voilà. Tandis que les autres sont en train de te critiquer, ceux-là verront que tu as envie, voilà, d'avancer. Voilà, d'avancer. Un jour, tu reçois un gros coup de fil. Et voilà, te voilà parti. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Moi, je te dis, hein, parce que moi, mes bains pleurent. OK? Ça veut dire les autres ont commencé comment? Tu peux être là. Tac, 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 tac. On te framponne. Tout le monde va y aller à ça, là. Les gens vont se poser des questions, mais pourquoi on framponne? Quelqu'un va commencer avec un bar, la table, tu reçois un gros coup de fil. À nous, on va, tu vas aller croiser le pied, là. OK? Là où eux, ou bien elles, ne pourront jamais mettre pied. Voilà donc alors ça. Moi, je te dis, parce que quand on dit le travail, il faut travailler, le travail paye. Ce que tu fais là, tu es en train de travailler au fil à mesure. Ouais. Au fil à mesure, même pas des critiques, hein, que ce soit des Lomagnans, que ce soit pas des gens comme nous comme ça. OK? Ça veut dire tu vas t'améliorer. Tu un jour, OK? Tu sais, tu peux être comme ça là. Au fil à mesure, tu fais tes bonnes émissions là. Les autres, au lieu d'apprécier, ça t'insulte. Les gens, tu seras comme ça, là, paf,
Bengaloa. Mais le compasse qui Dukame avait osé comparer Lolo à Emmanuel Keïta un jour. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'il connaît le parcours d'Emmanuel Keïta? Emmanuel Keïta est sur les projecteurs depuis sa jeunesse, sa tendre jeunesse. Parce qu'elle a fait la comédie, Emmanuel Keïta, quand elle était, je crois, à l'université, si je ne me trompe pas. Elle a fait la comédie. Donc, c'est une personne qui a l'habitude des projecteurs. Elle a l'habitude des projecteurs. Lolo est en train d'apprendre. Elle est en train d'apprendre. Toi, qui es aussi sur Meta, tu peux demander à Lolo d'être comme Emmanuel Keïta. Et pourtant, tu as ta number one, tu n'aimes même rien. Tu as ta number one, tu n'aimes rien. Tu peux pas demander à ta number one d'être comme Emmanuel Keïta. Quand tu vois les questions que Emmanuel Keïta pose, j'ai suivi sa dernière émission. Elle dit que même souvent les gens, elle dénigre. Mais ça fait pas un tollé comme ça fait un tollé chez nous. Dès que quelqu'un, il y a un mot ou un nom qu'on a prononcé, ça devient des problèmes. Elle a fait une dernière émission il y a quelques jours. Elle était avec le monsieur de la mode. Elle a dénigré quelqu'un, je ne sais pas comment il s'appelle, correctement et bien. Mais la personne n'est pas sortie pour venir l'insulter, pour venir faire ci, pour venir faire ça. Ou bien les gens n'ont pas fait des multiples directs. Parce qu'on sait que c'est une émission. Mais chez nous, dès qu'on a prononcé le nom d'une personne, vous savez même pas que quand on prononce mon nom là, c'est pour vous rendre ça. Vous me fatiguez même. Lolo ne prononce plus le nom des gens là. Il prononce plus le nom, oublie-les. Vous venez emmerder les gens. On vous appelle à la TV de l'heure et vous venez faire les directs. Vous venez faire les directs quand on vous prononce à la TV de l'heure. Bien sûr que Eka Frampone, elle Frampone dans ses émissions. Quand tu suis ses émissions, tu dis, dis donc. Et personne ne se lève le lendemain, vous venez faire un multiple direct comme on fait chez nous. Malabar comme ça là. Vous apprenez Facebook. C'est aujourd'hui que vous êtes sur Facebook. Vous ne connaissez pas Facebook. Les Américains se chapent ici. Là, il faut quoi? Ne nous fatiguez pas, dis donc. Ne nous fatiguez pas. Laissez Tata Lolo faire ces choses. Et on laisse aussi autre personne faire ça. Ça va. C'est comme ça. Vous laissez Lolo. Nous, on va même faire les pubs de vos choses. On va faire les pubs de vos choses. Vous ne pouvez pas attaquer une personne et vous pensez que vous on va vous regarder. Non. Vous attaquez, on vous attaque. Ça crée ça. Est-ce que tu sais que nous sommes en panne là depuis match? Nous sommes quoi? Nous sommes en panne. Mais hier, on n'a pas réparé votre voiture là. Hier, laquelle? Tu n'es pas chez le mécanicien. Non, j'ai pas la voiture de service. Ah oui. Mais vous avez appelé un dépanneur. Oui, on nous ramène une voiture. Ça, c'est vite fait, mais nous sommes obligés de rentrer. Ouais. Donc, on prend une voiture de location pour rentrer et récupérer le camion dans la boîte et revenir demain. On peut revenir demain. Voilà, voilà, si je voulais les faire. Ah ouais. Ah, courage. Ouais. Donc, je vais dormir à la maison aujourd'hui. Ah, c'est aussi bien, non? Je dors à la maison. Non, mais, Matt, toi, tu ne sais même pas. Moi, j'ai pris toujours pour que la toile reprenne un peu forme. Tu comprends? Ouais. Mais là, quand on a donné à César ce qui a passé à César, peut-être que là, il va acheter un tamponnement. Voilà. Mais tant que c'est comme ça. Je voudrais parler, je vais dire quelque chose. Les gens qui veulent souvent, quand ils veulent tamponner l'église, vous venez vous attaquer à Sylvie Tenier. Laissez Sylvie Tenier tranquille. C'est pas elle qui tient l'église. Elle ne tient pas l'église. Elle ne tient personne. Wow. Elle est aussi membre comme tout le monde.
laissez Sylvie tenir tranquille. Te passe toquer à son église. C'est pas Sylvie qui veut. Je sais pas pourquoi, chaque fois, quand quelqu'un veut se lever, il y a un problème, c'est sur elle que vous venez, ou bien sur d'autres membres que vous venez vous accrocher. Laissez Sylvie tenir tranquille. Elle vous doit rien. Elle vous doit rien. Elle ne vous doit rien. Toi, du Camer, il faut laisser Sylvie. Parce que tu ne connais pas qui est Sylvie. Tu ne connais pas qui est Sylvie. Quand vous venez souvent chercher des problèmes, cherchez tous les problèmes comme ça. Cherchez toujours les problèmes. Ma, qui ignore la bouche de Sylvie là-dessus à toi? Qui continue? Si Sylvie t'a fait, il va supporter. J'ai dit qu'elle va seulement mettre ses postes. Il va fuir la toile. Seulement ses postes. Hein? Il est parti demander de l'aide à Sylvie Tenier, ce petit moribond. Hein? Vous vous rendez compte? Hein? Hey, du Cambindo. Voilà non, une vérité. Il vient insulter Sylvie. Et puis elle est déjà parti demander de l'aide à Sylvie. Okay. Cambindo, que je vais te dire. Ok? Depuis que j'ai mon entourage, ok, je ne suis jamais allé voir une personne de mon entourage quand j'ai un problème. Ok, enfin, faut que tu le saches. Ok, nous tous nous sommes ici, nous avons des problèmes. Ok, même s'il faut aller voir une personne, il va falloir que j'ai un problème que moi-même je ne peux pas résoudre tout seul. Que tu comprends? Nous ne sommes pas pareils. Et tu comprends? Mon entourage, je ne le taxe pas. Ok? Regardez le comportement là sur la toile. C'est le comportement de quelqu'un qui veut manger là sur la toile? Non. Ok? Les mendiants ne se comportent pas comme moi. Les mendiants ne se disent pas que j'ai de quoi manger. Ok? Voilà, nous ne sommes pas, nous ne tenons pas les mêmes discours. Il y a des personnes là sur la toile qui savent très bien que oui, de Komamougou. Ok? Donc toi, ton comportement, ce qui sort de ta bouche, hein, c'est la mendicité qui nous sort. Tu mendis. Va te former, frère. Va te former. Va faire au moins en sorte que tu aies un métier. Toucher ne serait-ce que 2000 euros tous les mois. Quitte le SMIC, frère. Quitte le SMIC. Hein? Si le gouvernement camerounais se décide de venir par la main d'œuvre chez les enfants ici à la diaspora, tu vas monter dans ce bateau-là. Hein, du Camer, donne-nous des vérités vivantes. Tu dis que tu réfléchis. Tu vas monter dans ce bateau-là. Hein? Tu crois qu'on aura besoin des vicins là-bas, là? Hein? Moi, je suis prêt. Ok? Je peux faire. Hein? Je peux être utile au Cameroun. Pour l'avancement du Cameroun. Moi. Je peux travailler à la Sénara. Je peux travailler partout, partout. Mais toi. Donc, au Calga. Donc, mes gens. On va se plaider. Peace, peace. Peace, je me frambonne pas, hein. Elle n'aime pas me frambonner. Peace, peace. On dit qu'on en a une plus. Mais on a dit que c'est aussi bien. Que c'est aussi bien. C'est ça qui ramène aussi. Mais prends tout le monde. Mais quand tu te manques, regarde ton mani Yuali. Mais peace, peace. Hein? Peace, peace, toi aussi. La façon que tu me trompes souvent là, toi, tu pars par les manzizi. Hein? Et tu viens même me manquer ça. Il y a Benzina. Hein? Pasto. Ben, quand j'ai ce monde dit que Pisse Pisse a donné ton manzizi, lui a donné son. Après, il dit que, hein, n'est-ce pas Pisse Pisse a aussi ton manzizi? Il dit que, regarde, il est faible, hein, mais quand j'ai ce monde, et il est piqué de ce gars-là. Les gens, il a dit que l'histoire de la lionne, que c'était pas sérieux, non? Il a dit qu'il s'est prêté au jeu. Il s'est prêté voilà. Au jeu. Et voilà. Hein? Vous-même, quand vous voyez Bécra sur ce monde-là, j'ai publié
quand quelqu'un justement on voit ses dents, hein, ce n'est pas parce qu'il sourit ou bien il rigole. C'est quand il est nerveux. Et le gars, quand il pète un câble en plein direct, non, parfois j'ai envie d'appeler le Samy, mais comme il ne connaît pas la Grèce, il ne connaît pas son adresse. Je te dis quoi, la boutique. Georges. Quoi, machin? Un pareil homme comme ça là sur ton toit. Tu vas se lever l'eau. Mais toi, avec quand on la somme, il fouille vite. Il passe se cacher, il dit que je n'avais jamais rien dit. Je dis que Blabouti, un bécan sur ce monde, sur ton toit, mais mon ami, tu n'auras aucune protection, ni tes enfants. Le gars est devenu nerveux. Il a commencé à boyer. Ah, mais prenez encore mon nom. Ne prenez plus mon nom. Wow, wow, wow. Et Dester a fui l'appartement. Dester. Hein? Et j'ai dit que la TV. Le chien que tu dois accompagner, hein, collé à lui, le chien a fui. C'est bien, le chien l'a tellement collé à Bécan sur ce monde. Mais le gars s'était énervé sur Nancy. Hein? Fais encore un tiré sur moi. Fais encore un tiré sur moi. De sa prime Mara. Il est quitté du direct pour aller récupérer Dester dehors. Et le gars, celui donc du Cambino, dit que hein, il forme une équipe avec Bécran sur ce monde pour combattre les gens. Le gars, ancré dans mon direct hier, il n'avait pas partagé ma. Après, il dit qu'allez, partagez ça. Et le gars, il exécute. En fait, ce que j'aime en Bécran, c'est que comme il est cœur de palais, quand tu le prends là, il revient encore à la raison. C'est comme ça, Bertrand. Il revient encore à la raison. Blabouti, comme il avait du camès tous ces jours-ci, il ne partageait plus mes directs. Donc, il arrive hier, je vois, il écrit déjà deux commentaires, il ne partage pas. J'ai dit, allez, partage. Hein? Tu sais pas que c'est une fabrication. Partage. Le gars obéit hein, à De Komamougou. Il dit que le morguier, de Komamougou, hein? Laisse-moi, je n'ai pas envie de... Hein? Laisse-moi. Non, Bécan, sur ce monde, il faut sauver celui-là. Le gars-là... Mais toi, il a cœur de poulet. Dès que j'ai dit, allez, partage le direct-là, c'est sûr que du Cambindo a eu mal. Mais quand il a vu que la... Bécan a cœur de poulet, il n'a pas un mauvais fond. Bertrand n'a pas un mauvais fond. Parce que s'il avait un mauvais fond, il ne viendrait même Matt, pas dans les directs et tu lui dis de partage. Oui, pasteur. Matt, je vais te dire la vérité. Hein. L'église est si pour fabriquer Bécan sur ce monde. Demande. Je dis, l'église est si pour fabriquer Bécan sur ce monde. J'avais commencé à faire la talakou. Tu as tué Bécan sur ce monde. Non, c'est les abeilles. Que c'est les abeilles qui fabriquent. C'est ce que Dukame a dit à Bézan que si tu veux être fabriqué sur la toile, c'est les abeilles. Mais tiens, on t'a menti. Non, les abeilles ne fabriquent pas. Les abeilles Il avait fait un bon direct. J'ai pris ça là. J'ai fait la talakou de Bézan sur ce monde. Demande à Pispis, non. Hein? Il a dit qu'il pouvait se fabriquer ici. Vu que j'envoyais les femmes d'aller suivre ses cours de pâtisserie. Hein? Mais comme il est pressé avec la visibilité, hein? Il est pressé. Je verrai donc, mais quand sur ce monde, n'est-ce pas, on vient t'encourager, non? Quand tu vas donc alors faire ta pâtisserie là, il faut aussi qu'elle soit là. Hein? Voilà. Toutes les abeilles là. Les abeilles aiment seulement où on est en train de manger quelqu'un. Est-ce qu'elles peuvent aller où il y a le progrès? Elles ne vont jamais où il y a le progrès. Tu vois pas comment elles sont venues appeler hier dans le direct, dans l'émission de la TV de l'heure. Cache-moi où il y a le truc.
Allô, ma cache-monnaie du Cambino, mais ça descend du Cambino, ne peut que dire à tout le monde que tu es le Lomayan. Hein? Bon, mes gens, merci, 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 merci. Mais si lui, il est le Lomayan, il dit que l'autre est le Lomayan, lui-même, il est abeille. Non? Il faut que chacun s'en voilà. Lui, il est abeille. Voilà. Il ne dit jamais qu'il a sa page. Il est abeille. Convaincu. Moi, mais... je vais créer mon petit. Je vais créer un concept. Avant chaque émission, on vient d'abord faire la talakou ici à l'église. On vient bénir l'émission. Voilà. Il faut qu'on mette ça. On va commencer à bénir nos gens. Ouais. Je vais commencer à vous bénir, mon entourage, faire vos atalakou. Wow. Ouais. C'est ça qui est ça. Encourageons nos vivants. Ouais. Je dis vous, les femmes là, hein, que ce soit les followers, que ce soit vous qui aboyez aussi, je vais commencer à vous valoriser. Voilà. Vous venez ici à l'église, je chante votre nom propre jusqu'à toute la toile va connaître le nom là. Ouais. L'endolé mignon, non? Pardon. Faut laisser celle-là. Il y a seulement dit à l'autre, l'ancien lieutenant, ou bien il est encore lieutenant, que Pasteur ne veut jamais te framponner, mais c'est toi qui frampons Pasteur avec les postes nauséabonds. Quand Pasteur va te récupérer, tu vas pleurer. Tous les jours, elle fait des postes sur toi. Quand tu vas la récupérer, elle va pleurer. Et les gens viendront dire, oh, c'est Pasteur qui a fait que. Mais les gens ne voient pas ce qu'elle est en train de faire. C'est que, en fait, sur la toile, les femmes ont le droit d'insulter. Mais si un homme vient leur dire que vous êtes ci, vous êtes ça, on dit, oh, l'homme l'insulte. Est-ce que les femmes ont le droit d'insulter? Elles n'ont pas le droit d'insulter. Voilà. Ok, Matt, à tout à l'heure alors. Tout à l'heure, parce que je suis supérieure. Bonne journée okay. À tout le monde. Et bonne journée. Bonne rentrée pour nos enfants.